Pas des remparts, des changements apportés de part et d'autre. 12 minutes à jouer en première, 1-0 Rimouski à la marque. Truchon, longue passe au centre pour Gaucher. En transition, c'est raté pour Mariala. Malatesta vient saisir à sa ligne bleue pour les remparts. Samuel Lachance dans sa zone, défenseur recru, regarde ses options. Sur sa droite à Mariala. Le patineur finlandais au centre perd devant Bellin. Beau jeu de Bellin sur cette... Kobo, c'est bondissant. Il remet dans le coin à Cournoyer qui glisse la rondelle à Gaucher. Gaucher quitte sa zone, sa remise est cependant interceptée. Et là, il y a une possibilité. Encore une fois, Dumoulin qui s'avance et bataille sur une rondelle bondissante. Et encore Gaudio qui, comme d'habitude, le long de la clôture. Oh là, c'était dangereux. Dangereux pour la pénalité, je veux dire. Oui. Pour les normes sanitaires. Mais après une année d'absence, on ramène. C'est par base. Il perd la rondelle. Malatesta rate son dégagement. Pour Sol, veut ramener en retrait parce qu'il y avait possibilité de hors-jeu là, à la ligne bleue des remparts à Gauthier. La rondelle lui a échappé. Il a dû revenir derrière son but et gaucher là, les circonstances. Jakabutuka recule dans son territoire, utilise la baie vitrée. On est jusqu'à Nathan Gaucher. Gaucher prend un tir, arrête Louchard, fait des rondelles. Sa voix est fortin. Malatesta vient en appui, courte passe à Savoie à Gaucher. Gaucher, zone neutre pour Malatesta, il accélère sur l'aile gauche. Malatesta le tire, rate par-dessus la cage de Louchard. Et la rondelle va glisser loin par la suite dans le territoire des remparts. L'Ontarien Baze récupère derrière son filet. Baze passe pour Savoie du côté gauche de la glace. En sortie de territoire, Malatesta au centre à Gaucher, il accélère en zone ennemie. Nathan Gaucher coupe dans le centre de la patinoire, passe sur la droite pour Pierre-Olivier Roy. Roy, mauvaise passe, coupée par Fredette qui déblaye au centre et Cournoyer réorganise les siens à sa ligne bleue. Cournoyer à Gaucher, rapidement en entrée de zone pour Malatesta du côté gauche de la glace. Transversal pour Gaucher, ça dévie derrière le filet. Gaucher reprend, regarde ses options. La passe au point d'appui droit pour Charles, filet des siens. Savoie laisse la rondelle à Nathan Gaucher, il sortit de territoire des remparts. Gaucher sur l'aile gauche, transporte bien le disque. En entrée de zone, coupe dans le centre pour Malatesta. Malatesta est capable de saisir correctement. Hébert vient à sa rencontre. Derrière le filet, Gaucher avec sa longue portée reprend, rejoint Savoie. Point d'appui droit pour Baze. Le Gaucher qui s'installe devant Bourget pour les remparts. Mise en jeu gagnée par Québec. Savoie, derrière la ligne des buts pour Gaucher. Cherche l'espace en zone offensive. Sur ses genoux, tente de ramener devant. Malatesta aperçoit le disque. Son tir rate tout juste. Nicolas Savoie descend du point d'appui droit. Le long de la ligne des buts maintenant passe devant pour Malatesta. Ça rate. Dans le coin, Blais, l'auteur du but des sacs, vient chercher le disque. Matthew Wenner appuie l'attaque et garde la rondelle profondément dans le territoire de Chicoutimi. Gaucher en échec avant avec sa longue portée, récupère le disque devant Fredette. Gaucher coupe dans le centre de la patinoire, décide de rejeter le long de la rampe pour. C'est pas pour Savoie. Sur l'aile droite, la passe à Gaucher en entrée de territoire maintenant. Gaucher, courte remise à Roy qui rate le disque. Dommage, il aurait eu de l'espace. Savoie garde la rondelle en zone offensive pour Gaucher. Le tir, c'est Arriala et Savoie. Mise en jeu gagnée par les Saguenayens et dès la mise en jeu, dégagement qui est raté. Ça a touché l'officiel, les remparts en profitent. Point d'appui gauche, Mariala. Dans le centre de la glace à Savoie pour Malatesta. Tir rapide, un bel arrêt de Louchard, un autre bel arrêt de Louchard sur la séquence. Mariala récupère pour les remparts. Réinstalle le jeu de puissance, Gaucher. Derrière la ligne début à Mariala, à la droite du gardien. Mariala, le tir, arrêt de Louchard. Pelletier tente de déblayer le devant du but. Peine à le faire. La rondelle demeure dans le territoire des Saguenayens. Mariala au point d'appui, la passe à Savoie. Les remparts se réinstallent à 5 contre 4. Savoie pour Mariala, côté gauche. À Savoie, tir frappé. Ça rate à la gauche du but. Retour à la but! Mieux. Rondelle qui bondit sur sa droite et s'appelle Nikov. Vient aider ses défenseurs. Gagné par Québec. Point d'appui droit, Charles Truchon. Il a Burns à sa rencontre. Truchon. Un tourniquet, la remise pour Gaucher, c'est raté. Dans le coin, Poirier s'interpose en défensive pour Christopher Innes. Dufour à Burns est sorti de territoire des Sea Dogs. Burns, transversal pour Lawrence, s'est coupé en défensive. Cournoyer relance l'attaque sur sa droite à Gaucher en entrée de zone maintenant. Gaucher tente de rejoindre Cournoyer qui fonçait au filet, tir faible. Arrête le mieux. Trois minutes à faire en première, c'est 1-0 Québec. Truchon pour Gaucher, c'est trop long. Christopher Innes dans son territoire à Nathan Drapeau. Drapeau avec Gaucher qui met de la pression, lui fait perdre le disque. Malatesta en appui, passe devant Pierre-Olivier Roy. La rondelle est sautillante, incapable de saisir correctement. Innes récupère dans son territoire. Innes sur sa gauche à Brady Burns, le petit numéro 12. Remet vers le centre, intercepté par Cournoyer. La remise de Drapeau est ratée pour Dufour. Dans le territoire des remparts, Truchon premier au disque. Par derrière le filet pour Édouard Cournoyer. Sur l'aile droite à Nathan Gaucher. Les remparts s'amènent en entrée de zone maintenant. Gaucher sur l'aile droite, coupe dans le centre. Le tir bloqué en effet. Gagné par les remparts, point d'appui droit, Kamarov. Le long de la ligne début à Pierre-Olivier Roy. Devant pour gauche, vers à Gaucher en transition, c'est bien fait. Gaucher transporte le disque en entrée de zone. La feinte devant Villeneuve qui n'a pas mordu.
dans le coin. Gaucher trébuche, tente de ramener devant. Reynolds en défensive intercepte et rapidement les Sea Dogs quittent leur territoire. Charlie Desroches sur l'aile gauche. Passe pour Savoie. Tente de ramener devant Reynolds, intercepté devant le filet par Gaucher. La rondelle demeure dans le territoire des remparts. Reynolds s'est libéré. Gaucher au dernier moment l'empêche de tirer correct. Crevier bataille avec Olivier Picard. Nathan Gaucher saisi. Sortie de zone des remparts. Gaucher s'amène au centre. Iacobo quitte son filet. À la faveur d'un sixième attaquant, il n'y a plus de gardien devant le filet des remparts. 6 contre 5 Québec avec moins de 2 minutes à jouer. C'est 5-3. Malatesta le tire et le but!